Jérémy, t'as 2 de moyenne. Tu m'expliques un petit peu ça? Putain, Sacha, tais-toi, là, tu fais chier. Hé, connard. Non, mais là... Mais bordel, tu fais chier, là, c'était ma partie, enfin. J'avais gagné, je te dis, j'étais dans les 4 survivants. Il n'y avait plus que 3 éliminés, et puis j'étais bon. Merde, alors. Tu fais chier. T'écoutes un peu? Franchement, gamin, t'étais chiant. Mais alors, ado? Et alors, t'as jamais eu 13 ans, peut-être? Oh si, bien sûr. J'ai eu 13 ans aussi. Mais j'étais en 4e, moi. Pas en train de redoubler en CM2. Enfin, tu sortiras donc jamais de l'école primaire. T'as déjà redoublé plein de fois ton CE2, mais qu'est-ce que tu nous fais? T'aimes pas les deux, en fait? Enfin, si, t'aimes les deux. Non, mais... De toute façon, moi j'ai pas choisi d'aller à l'école, hein. C'est toi qui m'as obligé. De toute façon, pendant que nos parents ils seront en vacances, eh bien toi, tu vas aller travailler avec Francis. Ah ça, j'en ai pas envie. Aussi, soit tu travailles avec Francis et tu réussis à passer au collège, et tu as intérêt de passer au collège, ou alors, eh ben toi c'est l'école militaire assurée. Ah non mais, pas l'école militaire enfin. J'ai pas du tout envie d'aller à l'armée. Ah, justement, il y a un message. Ah bah c'est Francis qui est arrivé. Allez, prépare tes bagages. Bon, Jérémy. Tu verras plus tard combien c'est important. Tu le remercieras, hein. Plus simple pour avoir l'argent, un travail, l'autonomie. Et l'autonomie. Pour avoir un emploi. Bah ça m'intéresse pas de réussir en cours. Puis ça va aller quoi? Non mais... Jérémy, tu te crois où, là? Si, il y a très peu de gens qui y arrivent dans ça. Et puis en plus, je crois pas que les gens aient envie de regarder la chaîne d'un gamin qui arrête pas de gueuler sur tous les joueurs. Puis allez, les cours, hein, c'est pas si compliqué à apprendre. Hein. Je vais te donner un exemple. Voici le rap de maths au prochain cours, j'ai trop hâte. Un triangle, si tu le déplies, c'est que 3 angles, pas d'ennui. Viens, place en 80 degrés la somme. Et retiens bien, Pythagore, un grand homme. Toujours un triangle, 3 angles, mais cette fois-ci, il est rectangle. A au carré plus B au carré. Prennent une racine, tu as C. Je connais une autre là, et c'est Thalès. Pas pour les chiens. Non, mon grand, c'est ouais, surcoté. C'est bon, il règne entre les côtés, un problème de proportionnalité. Moi, je me casse. Jérémy! Donc là, en fait, Sacha, ce que je te conseille de faire, c'est 4 séries de 15 répétitions. Ok. Tu vas tenir le coup? Ouais, Eric, c'est quand t'as décidé de te mettre à la muscu? En fait, c'est quand même une longue histoire. Eh, dis donc, là, rentre ton cul enfin, tu muscles rien! Ah ouais, merde. Hop, là, comme ça. En fait, j'avais 14 ans et je suis tombé amoureux d'un garçon. Je pensais que tout allait bien se passer, enfin, ça aurait pu marcher, quoi. Mais il s'est joué de moi. Puis il m'a outé dans tout le collège et les autres ils ont fait que de harceler. Un jour, ils m'ont attendu jusqu'à devant chez moi et quand je suis sorti, ils m'ont frappé à coups de batte de baseball. Et depuis 6 jours,
Eh bien, je me suis juré que je serais à me défendre moi-même tout seul. C'est chaud comme histoire. Et toi, c'est quoi qui t'attire dans ce sport? Il faudrait que je me trouve un truc pour me vider la tête. C'est un truc qui conviendrait bien à Jérémy, ça. Mais toi, quelle est ta vraie réponse? Ok. J'ai vécu une période assez difficile. Il fallait que je trouve un truc pour m'occuper n'importe quoi. Ça, c'est plus une réponse de toi. Oh putain. Ah, il y a le téléphone qui sonne. Excuse-moi, je réponds pour toi. Allô? Allô? Ah, c'est Francis. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Seul Ruck. Ouais. Est-ce que Sacha est là? Ouais, je vais te passer Sacha. Allô Francis? Oh Sacha, j'ai perdu ton petit frère. Putain. Mais comment t'as fait? Je comprends pas où j'ai chanté, il est parti. Attends. Ok. Ah, écoute Francis, alors je vais prendre le téléphone, puis je vais géolocaliser l'appel. Mais en attendant, est-ce que tu peux essayer de situer à peu près où tu te trouves? Je suis au bord d'une forêt. Ok, parfait. Ok, je vais te chercher. D'accord. Tu te rends compte quand même que c'est la pleine lune, enfin? Hein? T'es sûr que c'est soir, Hector? Bah quand même, t'es censé vérifier avant de confier ton abruti de louveteau à n'importe qui. Ah, et puis en plus, l'adolescence, ça... Oui, mon garou. Putain, merde, Hector. Tu penses que Jérémy va attaquer Francis? Bah je sais pas, sers-toi de ta malédiction, enfin. Ah non mais attention là, enfant, tu vas rayer mon enrobage. Allez, toi tu vas me le payer. Arrête là quand même là, merde, il fait nuit. Putain, ça me fait peur. Lâche-moi. Je peux pas mourir si jeune. Contrôle-toi! Vous êtes vraiment une famille de tarés. Rick! Ouais, garder ça pour toi, hein.
Une guerre secrète, une passion pour les garçons. Garde secret, ton secret. Quant à toi, l'école militaire, je... Oh, mais non! Ah. Et j'aurais vu ça, loup-garou, je l'ai vu! Francis, en fait, Jérémy, il a drogué ta boisson. C'est pas vrai! Oh! Du coup, là, t'es un petit peu parti en back trip. Bon, je devrais t'en mettre demain. Bon. Bah d'accord.